Bonjour à toutes et à tous. Ici, la troll. Oui, c'est ça, le troll, je dirais même. Eh, hey, Selinga, ouais, t'as vu par quoi on se fait agresser? Par un torrent tout nu. Moi, c'est plus la naine. C'est qui la m'a, naine qui tout m'a nu choqué qui t'a parce choqué. Que les poils, poils, ouais, cuir moustache. C'est viril, quoi, attends. Bon, ok, mais écoute, c'est cool. Oh, elle vient de se fouetter le cul, là. Comment elle s'appelle? Succube. Ezora. Ah, c'est marrant, c'est assez proche du pseudo de notre personnage. Ouais. Soit dit en passant, les gens s'étaient attachés à Shirka, mais ils auront du mal à s'attacher au bordel. Attendez. Qu'est-ce donc? Un panda sur une mobilette. Non. Si. Sur un quad, sur, je sais pas ce que c'est. Une motoneige. Ouais, bref. Mais il n'y a pas de neige. Oh, il a l'air vilain. Bref, je disais, les gens se sont attachés à Shirka, mais auront du mal à s'attacher à Erasha s'ils ne comprennent pas l'origine. Mais pourquoi te déplaces-tu à pied? Ah oui, c'est vrai. Ah, enfin. Mon Dieu, c'est vrai. Où vais-je? Mais en fait, on peut tout monter? Oui. C'est fou, ça n'a aucun sens. Tout monter. Regarde. Mon Zoli Dragon. Ouais. Mais ça fait bizarre quand même. Et il peut pas voler. voler tout de suite, c'est moins classe. Donc, on s'en fout. Monture favorite aléatoire. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Vous n'avez pas de monture préférée? Je ne sais pas. Oh là, va falloir m'expliquer, hein. S'il y a des gens qui voudront bien m'expliquer ça, il va falloir m'expliquer. Donc au passage, Erasha, pourrais-tu expliquer le pourquoi d'Erasha? Le pourquoi d'Erasha? Ouais, c'est facile. Tiens, oui, c'est très facile en fait. C'est à l'époque où je voulais créer encore un énième perso, me semble-t-il. Oui. Je n'arrivais pas du tout à trouver un pseudonyme. Mon Dieu, c'est horrible! Pourquoi? Parce que je suis très nulle pour trouver des pseudonymes aussi. Et tout simplement, on cherchait. Puis toi, t'as eu l'idée de t'inspirer de Harry Potter, me semble-t-il. Hein. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, Erasha, c'est quand Harry parle en serpent, là. Je ne sais plus. En fourche-langue. Et il fait un blablabla, et Racha. Ça est Racha. C'est ce qu'il prononçait, voilà. Ça est Racha. Et c'est vrai que c'est resté, c'est-à-dire qu'on a conservé ça. Bonjour Anzu. Et en fait, en enlevant le Saera, non, le Sa, on gardait Racha. Et Racha, c'est plutôt sympa. C'est classe. Pour une démo, en plus, ça passe très très bien. Bon, je crois que ça va, t'en as assez là du monde, ouais, quand même. Allez, hop. Ça devrait aller. Il y a quelqu'un qui te parle. Oui, c'est Kougloff. Alors, pendant que je monte sur mon magnifique Anzu. Hey, salut. Pile quand je fais moi-même mon Iron Man, je vais rester connecté et suivre un peu ton niveau dans ce cas. Tendresse et chocobisous pour vous deux. Je vous aime, putain. Oui, on regarde les mêmes saloperies sur internet, que voulez-vous. Alors, tu dois faire quoi? On doit aller chercher la clé là-haut. Ouais, la quête. Et on avait dit, tu sais quoi, on arrête, parce que c'était la dernière fois qu'on avait dit ça. Avec un peu de chance, les élites vont revenir. Bah oui. Au passage, j'en oublie mes bonnes manières. Bah, de répondre, oui. Grand merci à toi. Hop. Alors, écoute, on va se remettre dans le bain. Alors, la succube, je suis convaincu à moitié. Bah, nous allons voir, écoute. Mais elle est rikiki, c'est ridicule. Petite. T'es pas sérieux? C'est cool, ça. Bonjour. Bonjour. À bientôt. Je pop. Ah, c'est quoi? Je pop devant toi, c'est génial. La vache. Là, c'est, sur le coup, c'est lui le troll. Hein. Oh là là. Normalement, il a gros pas, les autres. Non, mais j'aime bien, c'est comment il est sorti de la terre. Pouk. Comme ça. Okay. C'est génial. Donc. Non, viens, par contre. Hein, ouais. Vas-y. Bah ouais, mais il faut lui redire maintenant. Pauvre, il comprend rien. Casse-toi. Reviens. Faut pas lui demander deux fois là.
non. Non, là, j'ai pris trop cher. Ouais, mais t'as suivi, bah rien pris. Oui, mais moi, j'ai pris cher. Donc voilà. J'envoie mon démon pour qu'il l'aggro une première fois. Viens un jour. Putain. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Dieu tout-puissant. Voilà. Ce fut laborieux. Mais non. Ah, quand même. Mais non. En tout cas, 1656 points d'XP. Ouais, c'est sympa pour commencer, tu vois. Oui, on commence bien. Toi qui disais on va peut-être avoir les élites, bah oui. Ah, c'est pas le même. mais le pop sur la gueule, ça, franchement. Ouais. C'était rigolo. Moyen. De le voir sortir de la terre comme ça, c'était mignon. Je suis mort de rire. Mais je trouvais ça mignon. Oh, joli. Oh, sang. Bon, alors, il y a beaucoup de gens quand même qui me mettent en garde. Non. Alors, ça, refais ça encore une fois et je te tue, gobelin. Ah, trop tard. Qui t'ont prévenu? De quoi donc? Bah écoute, de la difficulté. Du démoniste. Ouais, effectivement. En Iron Man. Ils m'ont dit, hey, ça pue la merde. Ouais, un petit peu, je pense que ça va un peu plus. Je reprécise rapidement, si vous souhaitez m'ajouter pour quoi que ce soit, Kiran 1844, n'hésitez pas. Surtout, n'hésitez pas. Kiran 1844, on dirait un numéro de Minitel, tu sais. Oui, 3615 Ula. C'est ça. Il va pas dans la bonne direction. Je peux l'arrêter avant, c'est bon. Tu n'as pas repris la succube, du coup. Non, parce que la succube court, alors que le diablotin bombarde. Ouais, c'est vrai. J'ai besoin, justement, qu'il n'y ait pas de... Ça bombarde. Oui, j'ai besoin qu'il ne bouge pas, qu'il reste à mes côtés. Faut que ça bombarde. Voilà, comme ça, je me prends juste un petit coup, ça ira. Oh, il tire. C'est comme assez pénible, cette zone des tarifs du Nord. Bonjour à toi, Maelring. Non, mais tout est pénible. Ah. Non, pas tout. Ah, c'est parce que c'est des yens. Ouais, on va faire les yens ensuite. J'aimerais pouvoir avancer, mais c'est pas évident. Ah, il n'y a plus l'élite. Bah. La dernière fois. Eh bien. Il va peut-être te repop sur la gueule, hein, comme l'autre. Pourquoi pas après tout. Non, reviens. Boum, c'est bon. Pourquoi bonjour pas. À toi, Taquinia. Hey, du monde là. Qui se connecte. Ah, j'ai peur. Je mets mes mains sur ma tête. Là, par contre, j'ai fou. Non, ça va, il t'a pas vu. Il l'a pas vu. Bizarrement. Comme tu dis, bizarrement. Ah, tu sais que tu vas aimer t'isoler dans une tour comme ça. Ah, je vais kiffer. Alors, par où il va? Parce qu'en plus, voilà, s'il fuit, il va peut-être aggro tout le monde en montant. Ça va être génial. Ouais, je prends cher hein, quand même. De la bouffe, j'en avais pris la dernière fois. Oui, t'avais pris des mérous. Voilà. Non, du poisson chat. Pas du mérou. Je vais en avoir besoin. Ah, c'est la musique des gobelins. C'est Est-ce tellement que je magnifique. Peux le choper de là? Peut-être. Si tu sautes. Non, mais là je pense qu'il va peut-être falloir, autre le diablotin, prendre le marcheur du vide qu'il a tanké un petit peu pour toi. Ouais, carrément. Parce que, à mon avis, voilà, tu vas être assez au proche. Donc, je vais être au proche. Assez proche, je dis. Toi, parce que là t'es obligé. Du coup. Ah, voilà. Oh, on va la jouer super prudent. Bon, t'as quand même 4 niveaux de plus que. Ça devrait aller, je pense. Donc au final, si démoniste, ça pue la merde. Bon, hein. Il y a Maelring qui t'a conseillé paladin. Ce et qui c'est pas bête. C'est pas idiot du tout. Moi, j'ai joué une paladine à Shell. À Shell. Mais j'étais spé soin, moi. Donc je servais pas à grand chose niveau dégâts. Mais ouais, non, mais c'est pas une mauvaise idée vu que tu commences par de la maille déjà, donc c'est une protection d'armure non négligeable.
Et non, mais surtout, t'as ton soin, t'as ta bulle. C'est vrai qu'il y a des choses, il y a des outils. Mm. Après, je pense que maintenant, on m'a confirmé que... Je crois que c'est Petrushka qui m'a confirmé la difficulté de chaman en Iron Man, malheureusement. Mais hein. Comme tu le disais, oui, de toute façon, c'était compliqué. Mais c'est vrai que Paladin, c'est pas une mauvaise idée. Mais ça éviterait un autre chasseur. Il resterait quand même trois choses, à mon avis, possibles. Donc le chasseur, sans l'ombre d'un doute. Mm-hmm. Le paladin pourrait être envisageable. Mais le voleur, je persiste à dire qu'il peut l'être tout autant. Bah, il a ses poisons, qui sont pas négligeables. C'est pas les poisons. Non, c'est l'engage en tant qu'embusqué fait d'énormes dégâts. Mais il faut voir aussi s'il n'y a pas eu des nouvelles. Je les avais vérifiées. Tu avais regardé ? Oui, c'est pour ça que j'avais choisi voleur à l'époque. Parce que après le fiasco du guerrier, parce que le guerrier c'est clairement le truc le plus idiot à prendre. Hein. On est encore plus faible que le chaman ou ah non, on n'a rien de rien. Ça craint. Ben, je sais pas. On tape un coup blanc et puis de temps en temps on met un coup qui est pas un coup blanc, mais c'est tout. Hein. C'est fou. On se fait aggro par un petit chat malicieux. Salut petit chat. On se fait aggro, enfin c'est nous qui l'avons aggro. Ah oui, tu te poses devant moi, entre l'écran et moi. Là je crois qu'elle te dit clairement, fais-moi un bisou. Bisou. Elle a décidé de squatter tu sais que je n'ai absolument le clavier. Plus du tout de mana. Je pense que je vais faire l'effort de... Faudrait que t'achètes aussi des boissons. C'est à force de réinvoquer mon démon constamment. Ouais, faudrait que t'achètes des boissons. Oui, aussi. Bah c'est ce qu'on va faire. On va faire les yens tranquillement après ça. Voilà. Donc là maintenant, on a la clé. On vérifie qu'il n'y a pas de coffre à l'intérieur. Nous, sait-on jamais, il n'y a rien. Il n'y a pas de coffre. Hein. Alors, le démon, on le renvoie ou pas? Pourquoi donc? Pour qu'il aggro pas tout. Non, non, mais descends à pied. Descends à pied. Non, mais t'es drôle. Là, il va tout te ramener, hein, le démon. Mais non. Non. C'est risqué quand même. Hein. C'était très risqué. Un surveillant ici. Ouais, tu l'as déjà fait, monsieur. Oui, en fait... Comment dire ? Là, de toute façon, il va falloir faire la quête d'escorte. Oui, donc, mais avant de faire la quête d'escorte, je pense que ça serait plus judicieux de faire celle des hyènes. Pourquoi donc ? Il peut t'aider, je pense, à attaquer les hyènes après. Non, parce que c'est moi qui dois le suivre, c'est pas lui qui me suit. Mm-hmm. Oh ! Oh quoi ? Eh oh bien, quoi ? Ça, c'est Maelring. Ah ! Il te suit ! Attends. Ah oui. Il te guette, il t'espionne. Je pense qu'il aspire. Ah, non, par ici. Je pense qu'il aspire à te voir mourir. Non, il n'aspire pas à ça. Ouais. Bah regarde, il va te suivre. Et tu vas le voir faire haha si tu meurs. Mon dieu. J'ai eu peur là de. T'as eu un cuisseau. Du volte-face là de l'autre. Salut! Oh, Maelring! Il y a Kugloff, c'est ça qui te parle? Ouais. Chuchoté. Il fait ses petites conversations tranquilles. Qu'est-ce qu'il te dit? Je n'arrive pas à lire. Je prie. Il vient de subir une déconnexion. Oula. Ça, c'est l'horreur. C'est ignoble. Ça, c'est le cancer. C'est une ignominie. Remarque, et Selinka aussi. Bah oui. Mon nom. Oh ouais. Non, paix à son âme. Oh non, la déconnexion maléfique. Oh. Ah, c'est pas vrai. Eh ben voilà, nous venons d'assister à la mort. Mais tu sais quoi, moi je pense... En direct du personnage de Kugloff. Tu sais quoi, moi je pense que c'est un coup... Une ville de Blizzard. De Blizzard. De Blizzard. Moi je suis sûre qu'il repère les personnages qui font des Iron Man comme ça.
Ils font exprès de les déconnecter. J'en suis sûre et certaine. Non, mais c'est vil, hein. C'est vil. C'est vilzard. Tu es idiote. Oui, je sais. Oh, le pauvre. Ah, il est 20 niveaux. Ça... Oh. Il était quel niveau? Niveau 20. Niveau 20. Ah là là, c'est horrible. Ça, c'est la tristesse. Ouais. Eh ben, écoute, Kouglof. Voilà. Ça, c'est, on ne met même pas en doute tes capacités en tant qu'Iron Man. Là, c'est la déconnexion du mal, quoi. C'est tout. Moi, je respecte ton courage. Et puis, bah, je sais pas exactement quelle classe tu avais pris. Il me semble que tu m'avais dit voleur, peut-être. Je ne sais plus du tout. En tout cas, je te souhaite bon courage pour retourner au niveau où tu étais. Bon. On va dire, c'est niveau 20, c'est pas la mort. C'est jouable encore. Mais non, c'est vrai que c'est terriblement vexant. Bah bah oui. Oui. Et voilà. Qui a-t-il ? Il s'est déconnecté, trop tard. Non, je suis triste. Dévité. Dégoûté. L'un d'entre eux s'en va, les autres perdurent. Mais tu vois, même ces hyènes-là font nettement moins mal que les hyènes des colcars. Oui, non, mais c'est des salauds. Les colcars, c'est des connards. Ça rime, tu vois. C'est même... Mais je suis inspiré, moi, aujourd'hui, dis donc. Si ça te fait plaisir de le croire. Je suis méga inspiré. Combien tu dois en tuer ? 6. 2 millions. Ouais, mais des critiques à 100, là là, tu te sens plus là. Si, si, ça va. Non, ce qui est pas mal, c'est que en 1v1, le diablotin permet un flux de dégâts continu. Oui, oui. Mais les gens qui nous ont précisé que les démons étaient Monture. Calés sur mon personnage. Monture. Confirme le fait que effectivement nous sommes très faibles. Bah oui. Mais je vois que t'as le même souci que moi hein, avec les montures. Quand je pouvais enfin prendre la monture, à chaque fois j'oubliais. Et c'était exactement dans la même zone. Bah c'est normal. Oui. On suit le même schéma jusqu'à présent. À peu près. Rien de choquant. Tu vas faire la requête. la quête d'escorte. Oui. La carte des cortes. Si tu veux. Alors, je vais encaisser quelques dégâts. Ça s'enchaîne bien pour le moment. La faire fuir. Ça, c'est fait. Au cas où. Hein. C'est pas pour ce que ça coûte. Mais pourquoi ? Je mange. Non, c'est pas pour ce que tu ça régènes, coûte. Tu régènes quand même. Oui, mais c'est pas pour ce que ça coûte que je vais m'en priver. T'as juste une envie de poisson, explique-le. Hein. Mais non. Je peux le dire, hein, faut pas avoir honte. Bon bah donc, on aura fait un élite dans les quasi premières minutes de la vidéo bah, et depuis première seconde, j'ai envie de te dire. Ouais, j'ai pas pensé à regarder. Oh mais on s'en... Ah oui, non, lui il rapportait énormément. C'est pas mais cool. Vu qu'il y a eu le panda juste avant. Ça ne veut rien dire. Moi, je pense qu'il a peut-être fait. Ça ne veut rien dire. Parce que je ne le vois pas, ton élite. C'est quoi cette voix de cochonnerie ? C'est Carglass. C'est Carglouche. toi qui travailles chez Carglass, nous te respectons. Nous ne respectons juste pas du tout leur pub. C'est ça. Non, il n'est pas là. Nous je sommes paix pas. Et amour. Enfin, surtout toi, parce que moi, non. Alors, là, normalement, on y est. Et c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, tu le suis. Accéder à la console... C'est où, ça, au fait? C'est loin. Bah, tu le suis. Non, ouais, ouais, c'est assez loin. Ça, ouais. Ça, rien, ça ne va pas. Présentez-vous à machin truc. Escortez, voilà, c'est ça. D'accord. Jusque-là... Oui, 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 non, ça va. Mais ça va.
Ah, mais les quêtes d'escorte sont trop rapides. Je suis déçu pour Kuglof. Bah écoute, c'est... Je maintiens. C'est les aléas de, de l'Iron Man, malheureusement. Ah, c'est... Bim, ah, un coup de pelle. Et il me fait un peu mal quand même. Il me fait un peu mal. C'est pas l'autre qui tombe pour toi, bizarre. Il fait pas assez de dégâts pour tanker. C'est dommage ça quand même. Ouais, je vais pas prendre plus de risques. Hé, c'est pas passé. De quoi, là, le chier? Oui. Allez, mange. Là, tu peux manger, tu vois. Ouais, là, j'ai... Là, le poisson, on dit, on t'accusera pas de gourmandise. Très bien. Voilà, on y... Prends peut-être le... Oui, je sais lequel. Voilà, j'arrivais plus à trouver son nom. Le qui marche. Voilà, le qui marche. Qu'attendez-vous ? Nounours. Ouais. Ah, il y a une embuscade. Oui. Ça craint. Tu peux en fuir, voilà, tu peux fuir. Et l'autre, il glande de rien. Mais quel trou duc. Mais quel gros trou J'en duc. J'en ai aggro un de plus. Hein. Ah. Ah, non, il a... Oh, merde, il m'attaque, moi. Non, mais quel trou duc, celui-là, quoi. Ah, attends. C'est celui-ci qu'on va faire fuir. On casse le plus vite pour réinvoquer le démon. Ouais. Celui-ci revient. Ah, mais je te sors. Parfait. L'escorte qui sert à rien, quoi. Oh, il est planté. Mais je pense que c'est parce qu'il a pas dû prendre le moindre dégât à ce moment-là et donc il a pas déclenché bon. Ça. Encore ? Ouais, bah je le fier. C'est malheureux. Ouais. Et où l'escorte ? Je ne sais pas. Il est parti loin. Je suis obligé de finir c'est ça. Pas vrai. La fuite a échoué. Magnifique. Putain, mais sérieusement, tu es sûr que tu veux le faire, cette quête-là? Il faudrait mieux, c'est une suite de quêtes. Bah, mais quand tu vois que c'est la merde comme ça, et qu'il vient même pas t'aider. Voilà. Comment un trou de balle? 1, 2, 3, 4, 4. Ah, t'as bien géré hein, sur le coup, mais c'est... blasant. Non, c'est parce que j'étais trop en avant et donc j'ai aggro les monstres alors qu'ils auraient dû le taper lui. Et je pense qu'à ce moment-là, il aurait participé au combat, je suppose. Bah, espérons-le. Espérons-le, j'ai envie de te dire. Il faut l'abandonner ? Je pense, oui. Tu puisses la reprendre ? Non ? Le PNJ n'est plus là. Oh, c'est pas vrai. Bah oui, mais 15 ans à revenir. Bon. Et oh là là. Nous allons rendre les quêtes. Bah, va rendre quêtes les quêtes, là-bas. Ouais, je pense. Oui, et... allez, hop. Et puis, bah, on arrive quand même à. Ouais, à 20... doucement à 25 minutes de vidéo. Putain, c'est vraiment un pâteau hein, quand ça saute. Nye, nye, nye. Je suis un Drake. Ça a été mon grand coup de cœur en termes de monture sur Burning Crusade. Ah, bah c'était la plus... Pour moi, c'était vraiment la plus belle. Après, ça n'est qu'une question de... Oui, c'est objectif. Voilà. Sans quête. Eh ben, magnifique. Sublime. Bon, par contre, là, une question de niveau, ça n'a pas été fulgurant, mais... Ah bah, même pas la moitié, quoi. Non, mais cette zone est carrément moisie, hein. Je pense, hein. Elle est moisie parce que... Il faut pas que je... Que je me casse parce qu'au final il va falloir vraiment que j'insiste un maximum. Donc oui, on avait dit que j'achèterais de la boisson et rachète des poissons. Est-ce que je peux rentrer? Non, hein. Non, il est trop gros. Alors achète des poissons et du jus de melon. Du jus de melon, c'est cool, ouais. Ça.
Je suis melon. On va faire un bon stock. Voilà, hop. C'est parfait. Voilà. Très bien. Et là, on est fin prêt. Tu les mets accessibles, je pense, dans tes barres. Oui, bah, oui, le melon. Effectivement, ici, hop. Et on est très bien. Voilà. Tu seras paré. Bon. Écoute, j'espère que tu pourras sortir de la vie de fange. Un prochain truc, parce que là... Écoute, à la limite, je reprends pas la quête d'escorte et je retourne directement là-bas. C'est ce... À la limite, c'est peut-être ce que je pourrais faire rapidement. Ah, mais d'ailleurs, c'est la quête. C'est la suite. Oui, mais il y a eu un échec, pourtant. Ouais, je sais pas. Il y a eu marqué échec. Mais de toute façon, il mettra 15 ans à revenir, le PNJ. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Voilà, c'est dommage. On passera la prochaine fois. C'est dommage. C'est dommage. Dommage, c'est l'incache. Voilà. Bon, c'était pas très fructueux, mais bon. Ouais, rigolo. On a failli quand même prendre cher plusieurs fois. Ouais, bah là, vu l'embuscade, le PNJ qui décide de rien faire. L'élite qui t'apparaît dessus, ouais, c'est sûr. Ah, c'était riche en émotions. Il y a des complexités. Et puis j'étais assez distrait, on va dire. Hein. Oui. Mais, Ah, puis la mort du Kouglof. Voilà. Mon dieu. Eh ben, paix à ton personnage, force et robustesse, Ave Salutius. Et des gros bisous à tous. Salut. Salut.